Sono, Vidéo, réveillez-vous. C'est aujourd'hui le jour J. Mais le jour J de quoi? On est jeudi. C'est le jour J du match de magie, voyons. Mon jeu préféré. Je vous présente mon champion, le magicien. Oh, un magicien. C'est original. Mon champion à moi est bien plus exotique et impressionnant. Vidéo, faites-le donc apparaître. Waouh, impressionnant en effet. C'est ça votre champion de la magie en J? Une lampe à huile? Il n'y a même pas de son J. Décibel, ne me prenez pas pour un idiot. C'est un génie et il est bien plus génial que votre magicien. Ça, c'est ce qu'on va voir. Magicien, faites-nous un tour de magie. Des fleurs? Pff, même pas de son J. Sauf que ce sont des jonquilles jaunes de son J. Ah, mais le génie fait encore mieux. Dans un nuage, il a fait apparaître une jarre de pierre, ou plutôt de jolis bijoux. Orange. 5 songes. Ouais, pas mal. Mais mon magicien a plus d'un tour dans son sac. Voyons. Un cheval? Non. Non, une jument. Et une jeune fille. Non, deux. Des jumelles en jupe. Des jumelles en jupe rouge. 5 songes aussi. On peut dire qu'ils sont à égalité alors. Voyons si nous avons les différentes façons d'écrire le son J. C'est vrai. Le son J s'écrit en effet de deux façons, avec la lettre J et n'importe quelle autre voyelle. Comme dans jument, jarre, bijou. Ou on peut se servir de la lettre G devant le E et le I. Comme dans génie et magicien. Oui, on a de tout. Oh, mais comment les départager? Mais que font les jumelles? Elles font de la magie, mon cher Sono. Elles veulent nous dire que les candidats sont ex aequo. Mais oui, ils sont aussi forts l'un que l'autre. Ah, mais oui, il faut bien l'admettre, tout le monde a gagné, les jumelles aussi. Enfin, le génie a quand même un petit peu plus de classe que les autres. Oh, Sono, toujours aussi mauvais joueur.